Bonjour et bon début d'après-midi. Il est midi, bon appétit hein, pour ceux qui sont en train de manger et bienvenue à notre live, notre rendez-vous hebdomadaire. Chez Mailumène, on est toujours content de vous avoir avec nous, de pouvoir discuter de sujets vraiment intéressants. Et juste pour vous dire, s'il y avait beaucoup de tristesse hein, quand on vous dit qu'on prend une pause d'un mois, c'est notre dernier live de la saison. Donc, c'est le moment pour vous de vous connecter, de partager, de commenter. Et on va encore parler des parents, on va parler de l'immigration. Et je ne suis pas seule, hein, comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai Myriam. Myriam que vous connaissez et que vous appréciez tellement. Bonjour Rosita. Alors, bonjour à Bonjour. tous et à toutes qui sont parmi nous aujourd'hui. Et je suis toujours très contente et ravie de parler encore des familles et encore d'immigration. Voilà. On va jamais s'arrêter, on va continuer à parler et à insister parce qu'on veut des familles heureuses. Hein? C'est ça, Heureuse, les familles heureuses. oui. Oh, le bonheur. C'est ce qu'on souhaite. C'est ça. Donc, Myriam, c'est ma coach interculturelle. Donc, Myriam, vous la connaissez, elle est notre experte clinique spécialisée dans les problématiques, pas dans les problématiques, mais spécialité sur la parentalité en contexte d'immigration. C'est ça, hein? Tu peux corriger. Tout à fait. L'accompagnement des parents en situation d'immigration, que c'est pas facile, on le Exactement. sait, mais ce sont des défis qu'on peut relever. Oui, parfait. OK. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Kenda. Elle va bien me dire comment prononcer son nom. Donc, Kenda, en tout cas, bienvenue à notre live et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je suis honorée en tout cas de l'invitation et de pouvoir collaborer avec votre cabinet, Myriam, bien évidemment. Ça me fait plaisir. Dis-moi, c'est quoi? C'est Fenda Kanté, c'est ça? C'est ça, ouais. Moi, c'est dans Kenta, Fenda. Le prénom, c'est quoi? Le prénom, c'est Fenda et le nom de famille, c'est Kanté, nom de Ah, jeune c'est fille. vraiment joli. Donc, tu es intervenante d'action sociale. Dis-nous un peu en quoi consiste ton travail. De formation, je suis travailleur social. Donc, comme j'avais expliqué à Myriam, donc j'ai fait le bac plus 4 à Paris 8 en intervention sociale, mais avec une spécialisation en interculturalité. OK. Voilà, pur produit issu d'immigration. Je ne peux être qu'intéressée par ces questions-là. Ah oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est un choix délibéré d'aller en intervention et pourquoi? Je pense inconsciemment, sciemment, j'ai toujours été animée en fait. Par toutes ces questions, hein. Il y a mes origines, mais je pense que j'ai toujours eu une certaine volonté, et j'ai toujours été animée aussi par ça, mais j'ai toujours eu une certaine volonté de mettre en fait mon engagement au service de l'humain dans tous ses sens, et notamment la prise en charge des familles. Pourquoi les familles? Parce que bah, je pense au parcours de mes parents, qui a été une richesse et une force hein, pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que je me suis posé la question, qu'est-ce que la société d'accueil a mis en place pour nos parents? Parce que venir immigrer, moi je pense que quand on parle du migrant, c'est au pluriel. Et je pense que c'est un acte courageux. Après, chaque migration est différente et le choix est aussi différent que les migrations actuelles qu'on rencontre. Mes parents sont venus immigrer dans les années 70. Moi, je suis l'aînée de la fratrie. Donc, j'ai 35 ans. Donc, vous imaginez que j'ai dû connaître aussi le phénomène de la parentalisation, qui n'a été qu'une richesse, hein, puisque ça m'a responsabilisé très vite. Et d'aller dans les institutions et d'inverser les rôles, de lire les courriers pour mes parents, d'avoir accès à des choses où quand on est enfant, ça nous responsabilise. Mais en grandissant, en fait, professionnellement, on se construit et on se dit, mais qu'est-ce que la société a fait? Et qu'est-ce que nos parents aussi ont fait pour s'intégrer, clairement? Donc, le pays d'accueil, c'est une richesse, mais je pense que c'est dans les deux directions, hein, que ce soit le travailleur social. Je pense que la rencontre entre le travailleur social et le migrant, on doit parler de rencontre avant de parler de travail. Parce que quand le travailleur social, il va à l'encontre du migrant et qu'il ne comprend pas forcément, en fait, les us et les codes de ce migrant et qu'il parle d'échecs, par exemple, à l'ASE, très souvent, on évoque l'échec, ben, l'adhésion du papa, la non-adhésion de la famille.
Mais je pense qu'il y a des difficultés de compréhension. Donc, forcément, il y a des zones de tension. Et quand on fait un pas vers l'autre, c'est déjà d'accepter d'aller vers sa culture et de comprendre déjà quels sont les enjeux et pourquoi la personne est comme ça et pourquoi il y a telle problématique en contexte migratoire qui ne serait peut-être pas une problématique dans le pays d'origine. Ok, waouh. C'est vraiment intéressant ce que tu dis et on va vraiment prendre le temps de creuser. Donc, vous l'avez bien deviné. Mmh. On va parler un peu de l'approche interculturelle en intervention et pourquoi c'est important, bref, de prendre cette approche en compte et de comment justement l'appréhender en tant qu'intervenant. Mais aussi, on va pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de familles qui nous écoutent, c'est aussi de voir en tant que famille, c'est ça, est-ce que les familles seront intéressées par ça? Mais oui, peut-être. Je pense que oui, de se faire entendre les familles, je pense que oui. On en parlera à la fin du live, Myriam, si vous voulez. Mais oui, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que j'écoute Fenda et puis, mon Dieu, ça me rejoint tellement. Ça me rejoint. On voit bien que nous sommes passées toutes les deux à Paris 8. ce parcours, mais ce regard, les éléments qui nous ont amenés à nous intéresser à l'interculturalité, hein. J'imagine en tant qu'enfant, avec tout le parcours en tant qu'enfant, et moi en tant que parent, aujourd'hui, pourquoi je m'intéresse justement à cette prise en charge? Parce qu'en tant que parent, j'ai quand même élevé deux enfants dans un autre pays, et comme tous les parents immigrants avec des défis, bien sûr, je dirais l'intensité est variable, hein, parce que chaque parcours est singulier. Mais il y a quand même des choses, il y a quand même un processus en tant que parent qu'on fait quand on accompagne les enfants. Et ça, c'est, je pense qu'on en parle peu. On parle peu de ce que ça représente pour un parent de quitter, que ce soit volontaire ou non, hein, mais de quitter et d'accompagner les enfants dans un autre environnement, dans un autre pays. Des fois, en ne sachant pas les codes, des fois, en les mettant dans une position dans laquelle ils ne devraient pas être, mais on est conscient de cela. Et même si on ne les met pas dans cette position, simplement le fait d'accepter que ces enfants soient différents, qu'il y ait une certaine, je dirais, pas rupture, mais en tout cas, ils ne seront pas comme nous, ils seront différents. C'est quand même un processus et des deuils, hein. Ce sont des deuils à faire. Et il y a des parents qui ne le font pas. Et aussi de savoir que notre posture à nous en tant que parents dans le pays influence énormément l'intégration des enfants. C'est un rôle important à jouer là-dedans. Donc, ça résonne beaucoup, hein, quand tu parles. C'est quelque chose qui résonne en moi. Et on voit que notre parcours fait qu'on s'intéresse justement à cette question-là. Oui, est-ce que tu voulais dire quelque chose? En tout cas, ce qui, moi, me guide aujourd'hui, les convictions qui guident mon action aujourd'hui, c'est l'égalité, l'injustice, c'est les mots qui résonnent très fort en moi. Et je crois que c'est pour ça que je me suis engagée davantage dans le travail que je porte, tout en ayant du recul aussi, hein, parce que je pense que c'est important de faire la part des choses. C'est pas parce qu'on est issu d'immigration que dans la prise en charge, on ne doit pas avoir de recul nécessaire et tomber complètement dans l'empathie à 100%. Il y a de l'empathie. C'est ça, justement, je me demandais comment tu fais, parce que j'imagine, moi, je me rappelle, j'ai travaillé avec la clientèle itinérante, on va dire sans-abri. D'accord. Et quand je tombais sur quelqu'un de la même origine que moi, c'était un peu plus dur. Donc, toi, comment, justement, tu fais, avant d'aller vraiment au niveau de l'intervention en général, comment toi tu fais justement pour gérer le lot d'émotions qui vient quand il s'agit d'intervenir justement auprès des familles? J'essaie de garder en tête, en fait, de ne pas perdre mon objectivité, parce que je me dis que je suis là pour l'aider, mais je suis aussi là pour l'aider à s'intégrer. Ok. Voilà. Et s'intégrer ne veut pas dire être en totale adhésion avec des codes traditionnels. J'essaie de m'en saisir plutôt comme un outil de communication et pour rentrer en lien et instaurer plutôt un lien de confiance. Ok. Parce que si je rentre en fait dans les mœurs culturelles, forcément, je ne suis plus objective et mon accompagnement ne sera pas efficient ou en tout cas ne donnera pas quelque chose de positif ou n'amènera pas le changement attendu dans la prise en charge qu'il attend. Donc, je dois l'aider à l'intégrer.
Et dans le processus de prise en charge, c'est vraiment important. Ça ne se fait pas tout de suite, hein, cette prise de recul. C'est avec les années d'expérience. L'expérience, mais avec le temps, voilà, c'est quelque chose qu'on travaille sur soi-même aussi. Je me dis qu'il faut rester objectif. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Oui, c'est très important. Myriam, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu? Oui, oui, bien sûr. Moi, dans la prise en charge, l'une des premières choses que je fais quand je vois un parent, c'est vraiment, c'est que je reconnais que ce qu'il a fait, c'est pour l'enfant. Hein? Mm-hmm. Parce que qui dit parent, dit enfant. Mm-hmm. Et d'emblée, et quelle que soit la situation, je lui accorde cette reconnaissance, parce que c'est pas tout le monde qui part. C'est pas tout le monde qui fait ce sacrifice. Et je reconnais ce sacrifice. Et ça, c'est un levier très important, parce que souvent, ce que je vois, ce sont des parents qui, à ce moment-là, se sentent respectés. OK? Ah, elle comprend qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, tout de suite, on va se centrer sur l'enfant. Je sais ce que tu as fait, là, c'était vraiment pour ton enfant, et c'est la meilleure des choses. Mais maintenant, il y a une partie où on va devoir travailler sur certaines stratégies pour que ça soit bénéfique. Mais avant d'aller dans les stratégies, avant d'aller dans le processus des modifications des comportements, ce temps d'arrêt sur les raisons du départ, ce temps d'arrêt sur le deuil, sur la distance avec la famille, cette douleur quand même, elle est là. Hein? Et aussi, on n'en parle pas, mais mourir à l'étranger, les gens n'y pensent pas. Mais ça va arriver à un moment donné. Hein? C'est aussi cela. Des fois, il y en a qui ne peuvent pas retourner. Donc, c'est tout un accompagnement que je fais. Et cette première étape permet de créer le lien. Et après, on peut parler des changements à apporter. Mais la première des choses, c'est la reconnaissance du sacrifice. Et souvent, j'ai des collègues qui me disent, qui m'écrivent en me disant, les parents, ils disent, et là, ça dépose la question de la race et tout. Hein, c'est, oh, tu me comprends. Ah, tu comprends le chemin par lequel je suis passée. Et là, ils peuvent s'ouvrir et sont prêts à partager et avancer. Ouais. Okay, wow, c'est vraiment super. Donc, Fenda, si je comprends bien, c'est vraiment la première étape. Tout se passe au niveau de l'accueil, c'est-à-dire le premier contact avec. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu de ce que, au niveau de l'approche interculturelle en intervention, c'est-à-dire la première rencontre. Très souvent, je suis saisie par les professionnels de secteur, donc soit l'assistante sociale de secteur, la conseillère en économie, enfin ça dépend. Et donc elle fait le lien. Donc l'accueil se fait avec le référent qui m'a présenté la famille. Je pense qu'on l'a perdu. Ça va revenir. C'est bon. Bon, donc c'est ça. Donc, toi, tu disais, Myriam, qu'au niveau de l'accueil, c'est-à-dire c'est pendant la première rencontre que tu prends vraiment le temps. Mais est-ce que tu vas au-delà, tu vas dans leur parcours, est-ce que tu prends le temps de... tu les laisses raconter toute l'histoire qu'ils ont vécue? Oui, tout au long de l'intervention, ça se fait en plusieurs étapes. Hein. Mais la première prise de contact, cet aspect de, comme je disais tout à l'heure, du départ, j'en parle, je laisse cette ouverture, je m'intéresse vraiment à leur vécu. Je m'intéresse à leur parcours, aux raisons qui les ont amenés à changer de pays et comment ça s'est passé. C'est quand même, ça peut paraître aussi très bénin, mais le simple fait d'accepter un thé, d'accepter un gâteau, de partager, parce que ça, c'est un signe de lien. Juste là, ça permet ce premier contact, ça permet cette contact dans l'humanité, au-delà des problèmes, au-delà de la raison pour laquelle... Mais en même temps, quand vous arrivez, vous n'êtes pas nécessairement bien accueillis. Allô? Oui, je suis désolée, moi, mais vous êtes ici.
T'inquiète pas. Non. Bon, Myriam, je reviens à toi après, ok? Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je suis très contente d'écouter Fandab, savoir comment ça se passe dans son pays, en France. Dans cette Fandab, tu disais qu'il y a des agents qui te mettent en lien avec les familles. Oui, c'est important. Et du coup, donc, on leur explique un petit peu les missions de chacun dans le cadre de l'intervention et l'objet de l'intervention. J'essaie d'être très à l'écoute de la famille, voir si c'est une adhésion de sa part, si c'est une demande ou une commande de l'institution, parce que ça, c'est important. Oui, important. Et ensuite, travailler sur le lien de confiance en fonction de la problématique, voir un petit peu si la famille était réticente ou voilà. Si c'est une demande, c'est forcément plus simple à rentrer en lien. Après, si c'est une commande, c'est plus compliqué si ça ne vient pas de la famille. Mais on essaie de travailler sur le lien de confiance. Vraiment, ça, c'est important. Donc, je rassure la famille après l'entretien en leur disant qu'il y a la notion de secret professionnel, déontologique. Okay. Tout ce qui sera dit restera confidentiel et que si ça peut la rassurer, aucun membre de la famille et même au niveau du professionnel de secteur, on échange. Mais s'il y a des choses qu'elle ne souhaite pas que je transmette, elle lui transmettra elle-même. Ça, c'est important. OK. Mais là, est-ce que le lien, le fait que, par exemple, vous êtes d'une la même origine, c'est sûr que le lien, il est plus simple. Mais pour quelqu'un qui n'est pas un intervenant qui vient, qui est vraiment différent, est-ce qu'il y a des petites... Bizarrement, ce que vous dites, ça, parfois, ça peut être de la même origine et ça peut être compliqué. Hein. Ouais, non, sincèrement, ça peut être compliqué. Parce que y a cette méfiance. Forcément, je connais les codes culturels. Donc, parfois, la personne peut se braquer et ne pas s'ouvrir. Hein. Donc, après, on fait tout un travail autour de toute la famille, au sens large. J'essaie de travailler avec tous les membres de la famille. Et dès que j'ai trouvé mon point d'accroche, ça peut être la fille, ça peut être le mari, ça peut être le cousin, ça peut être le tonton qui accompagne. Oui. J'essaie de donner du sens à l'intervention à partir de là. Ça met du temps, mais après, la personne accroche. Dès qu'elle a confiance. Et au niveau de l'accueil, c'est quoi les points d'approche culturelle que tu utilises? Bon, là, tu as dit que tu essayes de créer le lien avec un membre de la famille. Mm. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu mets en place? Myriam, elle a parlé du fait de connaître un peu le parcours migratoire de la personne, de prendre le temps de couper. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois qui est intéressant, surtout au moment de l'accueil? C'est vrai que moi, je me focalise sur l'objet de la demande parce que c'est vrai qu'on n'intervient pas dans le même contexte. Donc, oui, mais toi, tu interviens dans quel contexte, par exemple? Souvent sollicité par l'ASE, les référents de secteur. L'ASE, c'est quoi? Au Québec, on ne connaît pas trop les termes. C'est l'aide sociale à l'enfance. Pardon? L'aide sociale à l'enfance. OK, aide sociale à l'enfance. Mm. Myriam, c'est la même chose que DPJ? Oui. Okay, c'est bon. D'accord. Voilà, ça peut être aussi l'éducateur qui intervient au sein de la famille pour un enfant. Il n'arrive pas à mener le travail avec la famille, donc il y a besoin qu'il y ait une autre référence. Au niveau de la culture, c'est vrai que très souvent, ils me demandent de quelle origine je suis, ou les plus âgés, je vais un petit peu sur le droit d'aînesse, hein, faut pas se mentir. Donc, pour essayer de s'imposer ou de m'impressionner, tout de suite, on fait comprendre que mon jeune âge, c'est pas moi qui vais le recevoir. Ça aussi, on le dit. Voilà. Après, culturellement, effectivement, il y a les liens de parenté. Donc, comme je connais un petit peu ce fonctionnement aussi, par rapport au nom de famille, pour ceux qui sont qui ont les mêmes origines que moi. Donc, tout de suite, si c'est un sangaré, je vais dire, ah, bah, vous êtes mon peuple, moi. Ah, madame Campé, donc vous êtes... On essaye d'accrocher avec tous ces points-là. Okay. Et après, quand c'est quelqu'un qui est hors culture, on travaille sur autre chose. Ça reste la même Afrique, puisque c'est des familles, notamment issues d'immigration, donc on joue sur autre chose. C'est des stratégies, comme disait Myriam, à mettre en place. Oui. À partir de là où on a trouvé un point d'accroche, on instaure vraiment un lien de confiance où c'est important dans la continuité de la prise en charge. OK. Mm. Mais à quel point c'est important? Parce qu'on a travaillé une fois avec un organisme, par exemple, en violence, qui nous disait qu'il ne faudrait pas que l'interculturalité nous permette de cautionner certains comportements. D'accord. Je trouve que l'interculturalité, c'est vraiment un outil primordial en travail social aujourd'hui. Sincèrement, c'est primordial. Dans la prise en charge, en intervention sociale, c'est primordial l'interculturalité. C'est un outil de communication, c'est un outil qui nous permet d'évaluer déjà la dimension interculturelle, le processus d'intégration. Et à partir de là où on arrive, par contre, c'est vrai que l'enjeu,
c'est de ne pas se saisir de l'interculturalité en tombant dans l'écueil de la culture. C'est ça aussi, pour moi, l'objectif. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un migrant qui doit avoir un accueil spécifique. OK. Toute personne en difficulté a le droit au même accueil et au même respect. C'est pas parce qu'il vient d'Afrique ou il vient du Sénégal ou il vient de je ne sais où que je dois tomber dans l'écueil de la culture. Ça, c'est important aussi à dire. Mais en même temps, il a le droit d'avoir un accueil adapté. L'accueil, de toute façon, en tant qu'intervenant social ou travailleur social, on doit réajuster sans cesse, on doit s'adapter sans cesse. Ça peut être un pur français. Je vais vous prendre un exemple. Travailleur social d'une institution CAF et travailleur social d'une gendarmerie n'ont pas la même culture de travail. Oui, organisationnelle, tout à fait. Tout voilà. Donc, mais on aussi, doit sans cesse s'adapter. De toute façon, oui. Je suis d'accord. Hein, l'adaptabilité. Si on a un parent qui est malentendant, on va s'adapter. On aura une interprète. Moi, je compare ça souvent à un parent malentendant. On n'ira jamais faire une entrevue ou un suivi sans interprète. Ça, c'est pas possible. Donc, avec un parent migrant, c'est aussi la même chose. Et qu'à un moment donné, au départ, c'est important d'avoir quelqu'un qui soit capable de, si nous, on ne peut pas le faire, mais d'avoir des outils pour pouvoir décoder. Mais ça va nous permettre de mieux intervenir. Mais pas forcément parce que donner la primauté à la culture ou justifier tout au nom de la culture. Voilà, ça c'est... C'est vrai que c'est important. L'écueil de la culture, c'est vrai qu'il m'est arrivé aussi avec certaines familles où ça peut être parfois compliqué. Pour ne pas perdre encore une fois mon objectivité, c'est vrai que je prends un interprète. Comme ça, ça me permet de donner sens à l'intervention que je veux mener avec la famille et de rester à ma place de professionnel. Ça aussi, c'est vraiment important aussi. Mais là, dans ce cas, est-ce que les parents sont ouverts à recevoir quelqu'un pour interpréter? Est-ce que ça fait face à on est de la même origine ou si ça qu'on est de la même origine, non. Très souvent, non. OK. Mais je trouvais quand même ton point intéressant quand tu disais, je voulais que tu développes un peu plus, quand tu dis, oui, c'est vrai que tu es migrant, mais en même temps, je ne veux pas l'utiliser. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi je ne veux pas, pardon? Pourquoi tu as souligné ce point? Je suis curieuse. Le fait que je sois moi-même issue d'immigration? Non, le fait que tu parlais, il ne faudrait pas que l'interculturalité soit l'écueil de la culture. Non. Parce qu'en tant que professionnelle, et ça dépend du contexte d'intervention, il ne faut pas qu'on dise qu'on ramène tout à la culture, en fait. Okay. On amène les familles à travailler. Il faut qu'on, pour moi, pour valoriser l'interculturalité, il faut que ce soit un outil de communication, un outil d'évaluation, un outil de travail. Mais on ne peut pas tout ramener à la culture. On le sait réellement. Par exemple, un exemple de cas où tu as senti que ça devenait... Par exemple, dans les dynamiques familiales, quand un enfant... un parent d'intervenir avec son enfant au niveau des dynamiques familiales, très souvent l'ASE a des signalements, donc le service de l'aide sociale à l'enfance a des signalements, et du coup ils interviennent, il y a un éducateur, etc., qui va venir, et c'est mal vécu souvent par la famille, parce qu'à partir du moment où on place l'enfant, et en plus on continue à lui donner un petit peu, pour le chef de famille, hein, souvent dans les familles africaines, moi j'ai entendu un papa me dire, attendez, ils m'ont retiré soi-disant pour le corriger. Mais à côté, on lui donne ce qu'il veut. C'est-à-dire que tous les mois, on lui donne 300-400 euros, on l'accompagne en voiture, on l'aide à passer le permis. Moi, dans mon éducation, moi, j'aurais corrigé autrement. Mais il a pas tort quand il dit ça. Mais il faut savoir lui expliquer qu'en fait, effectivement, la dynamique familiale mise à l'œuvre dans le pays d'origine, c'est ça, ne peut pas être mise en place dans le pays d'accueil. On parle de famille élargie très souvent en Afrique et qu'en contexte migratoire, on parle de famille nucléaire, le papa, la maman. Et ça, c'est compliqué à leur faire. Donc, quand on lui explique les choses dans son entendement en disant « Effectivement, monsieur, vous avez raison, mais ici, c'est vous et madame, le parent. Et peut-être que en ayant un autre modèle éducatif qui n'est pas le fouet ou la ceinture, peut-être que ce serait plus approprié. Et en l'expliquant aussi, parce que si monsieur avait les mots pour expliquer au professionnel qui intervient, ben, je pense que déjà, ce serait plus souple au niveau de l'intervention. » Mais lui, il est braqué et le professionnel ne comprend pas, en fait.
Et là, et on oublie l'enfant au milieu de tout ça. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas d'enfant, les parents, les hommes et les femmes pourraient continuer leur vie sans que personne ne vienne faire de l'ingérence parce qu'ils sont adultes. Là, le problème, c'est que nous avons des enfants. Mmh. Et moi, ce que je dis aux parents, c'est que ces enfants-là, vous souhaitez le meilleur pour eux. Et lorsqu'on touche aux enfants, il y a une ouverture. Parce que c'est vraiment tenir compte du fait qu'ils font partie de la solution et du problème aussi, mais qu'ils font partie intégrante. Mmh. Et lorsqu'on met le focus sur cette fameuse réussite, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants portent le poids de la réussite de l'immigration. Mmh. Et quand les parents réagissent fortement, soit à l'intervention, soit au comportement qui, eux, ils estiment dérangeant de leur enfant, ce qu'il y a en arrière, c'est qu'il ne va pas réussir, toute la communauté va le savoir, j'aurai honte. Et là, il commence à devenir un peu plus rigide. Okay? Mmh. Et lorsque on met le focus sur l'enfant et sur l'intérêt du parent, parce que tout le monde a le même objectif, c'est l'intérêt de l'enfant. Mmh. Okay? Que ce soit les professionnels, les parents, c'est l'enfant. Donc, quand on arrive à changer de posture et qu'on regarde l'enfant, on va sortir de la fameuse primauté sur la culture. Parce que ce qui prime à ce moment-là, c'est le bien-être de l'enfant. Au début, on parlait du bonheur. Mais c'est de là de voir, avec le parent, c'est quoi pour toi un enfant qui est heureux? Qu'est-ce que tu souhaites pour ton enfant? Et les parents se mettent à réfléchir parce qu'on se rend compte que, par exemple, si un enfant a une mauvaise note, un mauvais comportement à l'école et qu'il est fouetté, c'est derrière, c'est que le parent veut qu'il réussisse. Sauf que la stratégie n'est pas bonne. Alors, la culture, je dirais selon nous, mais lui, il vient avec son bagage et il sait que ça fonctionne. Mais au lieu de focusser seulement sur le fait qu'il a fouetté son enfant, on va regarder qu'est-ce qu'il y a derrière et l'amener à saisir cette opportunité de l'intervention, à prendre d'autres stratégies, parce que si tu le fouettes tout le temps, il va aller à l'extérieur et là, il va rencontrer des autres petits amis qui vont lui dire « Ben oui, nos parents, ils viennent du bled, ils comprennent rien. Nous, on te comprend, viens avec nous. » C'est comme ça que les choses se passent. Mais les parents sont, malheureusement, ils ne le savent pas. Et là aussi, en tant que professionnel, c'est notre rôle de pouvoir les informer sur je ne dirais pas les stratégies, mais les conséquences de leurs actes et qui vont à l'encontre de ce qu'eux, ils souhaitent au départ. Parce que c'est pour ces enfants-là qu'on intervient. Sinon, ils vont dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend? On entend que les enfants de migrants ne sont pas suivis par leurs parents, que les enfants de migrants sont des délinquants, que les enfants de migrants... Toutes sortes. Donc, les parents ne veulent pas que leurs enfants soient catalogués. Leur comportement va les amener vers certaines voies. Mais ils ne sont même pas au courant. Donc, dans la prise en charge, c'est important de pouvoir justement se focusser sur l'enfant et non pas sur le parent qui est inadéquat et que bon, il faut qu'on arrive à changer à lui. Non, c'est l'enfant. Parce que le pauvre enfant, il est pris là-dedans. Et c'est vrai qu'on ne lui demande pas son avis, pourquoi il agit ainsi, pourquoi, or qu'il a peut-être des choses à dire aussi. Il y a un mal-être, au fait. Donc, absolument. Et ça, c'est vrai que ça passe souvent à la trappe, on ne s'en rend pas compte, quoi. Oui. Mais est-ce que l'enfant, parce que j'ai une histoire assez bizarre d'une jeune fille, justement, qui était en conflit sévère avec sa maman. Elle se disputait, puis maman a cassé le téléphone, puis la fille, dans son élan de folie, a cassé la télé, et puis maman était complètement... Elles se sont battues et la fille a appelé la police et tout. Donc, finalement, elle était en France. D'accord. Mais là, dans ce cas, l'enfant aussi, dans son désir de sortir de la situation avec sa mère, peut raconter des choses pas vraies. Oui. Maintenant, l'intervenant, comment vous arrivez à discerner ce qui est bon, ce qui est vrai, comment ça se passe? On retravaille sur la dynamique familiale très souvent. Et après, on n'a pas de réponse juste. On n'est pas là quand les faits se passent, mais avec le temps, c'est vrai qu'on arrive à évaluer quand même ce qui est
Bon, moi, c'est parce que j'ai grandi ici, donc je connais un petit peu aussi nos us de jeunes enfants issus d'immigration, ce qu'on met en place comme stratégie et, pour sortir de la... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu veux dire? C'est intéressant, est-ce que tu peux élaborer? C'est quoi la vie culturelle de nos parents? Parce que très souvent, on se rend compte que nos parents nous transmettent une culture qui n'a même plus lieu d'être au pays, quoi. Et, on se dit qu'en termes d'éducation, mais oui, non, mais bon, ils sont trop durs avec nous. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et en fait... quand on va au pays, on se rend compte que les jeunes filles ou les jeunes garçons du pays sont bien plus, excusez-moi du terme, mais bien plus ouverts d'esprit et plus à la page. Ok. Donc, ils ont évolué dans le pays d'origine, mais les parents sont restés statiques dans l'immigration. Ouais. Tout à fait, malheureusement. Comment les jeunes vivent ça? Moi, je suis une maman, là. Je n'ai pas connu. Je veux savoir comment les jeunes vivent ça. C'est vrai qu'au début, on ne comprend pas. Donc, ça dépend de chacun, de nos interactions avec déjà la famille. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais en fait, on parle de culture, on ne comprend pas. Les Sénégalais sont ouverts, les ceux-ci sont ouverts. Et nous, par exemple, les Maliens, on est très fermés, on est entre nous. Et c'est vrai qu'en termes d'émotions, ce n'est pas toujours simple à gérer. Okay. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire aussi sur la transmission culturelle. Et je pense que c'est important de transmettre la culture d'origine aux parents et de ne pas gommer de là où on vient, parce que c'est avec ça qu'on se construit son identité. Et ça, ce n'est pas toujours bien fait, du coup. Okay. Les parents, ce n'est pas faute de vouloir le faire, il y a une volonté de le faire, mais transmettre une culture erronée ou qui n'a plus trop lieu d'être, c'est compliqué. Mm-hmm. Et je pense que quand c'est bien fait, bah, ça devient une richesse. Et on se dit, bah, en fait, c'est une force d'avoir la double culture. Parce que dans le pays d'origine, on peut paraître ce qu'on est, mais aussi dire qu'on voilà. Mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple, vous verrez. Ah, c'est marrant parce que, alors, moi, j'ai pas réussi à transmettre la langue. Alors, ce qui fait que... Ah, c'est pas grave. Après, il faut transmettre l'essentiel. Il n'y a pas que la langue. Mais en fait... Bon, j'ai un de mes fils qui se retrouve avec, à son travail, avec beaucoup de créolophones. D'accord. Là, il ne comprenait pas. Et là, il revient, il m'appelle, il me dit, « Oui, pourquoi tu ne m'as pas appris le créole ?» Là, je lui dis, bah, « tu as 22 ans, je pense que maintenant, tu es capable de l'apprendre. » maintenant, il voit l'importance quand même. Voilà. C'est maintenant, effectivement. Mais ça m'a frappé. Alors que plus jeune, c'était le garçon qui ne voulait jamais se coiffer, qui allait dans la rue décoiffé. Je me battais avec lui tous les matins. C'était des drames. Je lui dis, mais tu peux pas sortir comme cela. Si on était dans notre pays, mais tu te rends compte, c'est une honte pour moi. C'était des drames le matin. Il voulait se faire un mohawk. Enfin bref, c'était horrible pour moi. C'était horrible. Mais maintenant qu'il travaille avec une communauté noire, il va chez le coiffeur toutes les deux semaines. C'est incroyable. Parce qu'il a été confronté à une certaine réalité aussi. Je pense que ça, c'est important. Exactement. De laisser, en fait, de nous laisser nous confronter finalement aux deux cultures et de faire nos propres choix. Oui. On se construit avec ça aussi. Ah oui, donc si je l'avais su, je pense que j'aurais évité des années de bataille avec ce fameux peigne afro et d'avoir les cheveux courts et pas emmêlés. C'est incroyable. Oh, wow. Le piercing, c'est la même chose. Hein. Deux ans, trois ans de bataille pour un piercing. Et chaque année, non, je veux me percer. Non, tu peux pas. Non. Donc, c'était vraiment... C'est le vécu, c'est vraiment tout ce qu'on dit en tant que parent. Si on dit non sur quelque chose, c'est parce que mais quand on va rentrer au pays, qu'est-ce que les gens vont dire? Là, ils vont me dire que je suis un mauvais parent, mais je n'ai pas envie de me sentir un mauvais parent, moi. Donc, c'est vivre vraiment... pour le regard des gens, ça aussi, c'est culturel, je trouve. Hein. Vivre pour le regard de la famille, ce poids. Même si on est à l'étranger, le poids demeure. Ah, mais ça, c'est... Moi, en tant que jeune maman ici, je ne m'impose pas ce poids-là, en fait. Je ne me vois pas m'imposer ce poids-là. Je vis ma vie comme je l'entends, et pour mes enfants, pour mon mari, je fais ce qui me semble juste. Mais là, on parle de... En fait, finalement, on sera jugé. Dans tous les cas. Alors, on voit comment les enfants s'intègrent. Après deux, trois générations, ça y est.
C'est très intéressant. Mais donc, dans l'intervention, il faut aussi tenir compte de ça. Il faut aller au-delà de la, du phénotype, parce que la personne peut, oui, être noire, mais être née en France ou au Québec. Il y a déjà une différence avec les parents. Donc, on ne va pas se limiter à, oui, mais vos parents viennent d'où? Vous venez d'où? Quand on parle de, d'interculturalité ou l'approche interculturelle, c'est aussi ça, parce qu'il y a la question du statut socio-économique, il faut en tenir compte, le parcours, si la personne, combien de générations, il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont permettre de créer ce lien et d'aller au-delà de ce qu'on peut voir a priori. Justement, tu parlais d'un point important, le statut. Le statut aussi, je ne sais pas si on parle du statut économique, mais le fait d'être en situation illégale ou avoir ses papiers, est-ce que c'est un point important dans l'intervention de vérifier l'état légal, le statut légal de la personne sur le territoire? Est-ce que ça influence aussi l'intervention? Pour ma part, oui. OK. Oui, Oui, pour, dans quel sens, Fenda? Parce que j'ai beaucoup de personnes en précarité administrative. Je crois que la souffrance même n'est même plus la souffrance matérielle ou la souffrance. Je crois que c'est ça la première souffrance de la migration pour ces femmes que je vois sans papier atterrir dans les hôtels et parfois elles ont recours à des choses dont elles n'ont pas envie ou elles n'ont pas le choix. Et c'est pareil pour les messieurs que je vois sans papier, le travail au noir pour s'en sortir, le poids de la famille, il faut les nourrir malgré que parfois la famille n'est même pas au courant qu'ils sont sans papier ou ne vont peut-être pas comprendre la valeur d'avoir un statut administratif. Et je crois que la première souffrance du migrant, c'est ça, la précarité administrative. Comment pallier à ça? C'est vraiment une des premières souffrance, parce que quand on a les papiers, on peut travailler, on peut avoir un logement, on peut. Mais quand on n'a pas de statut administratif et qu'on est inexistant pour la société, ça, c'est quelque chose que je rencontre au quotidien. Oui, ça, c'est un défi. Et en plus, s'il faut qu'on intervienne dans des familles qui n'ont pas de statut, ça leur ajoute un stress supplémentaire et qui va se transformer en détresse, hein, vraiment. Et il faut avoir beaucoup de doigté pour pouvoir intervenir dans ces cas-là. Que souvent, ils vont peut-être cacher parce que dû au fait qu'ils n'ont pas de papier, ils vont se dire, bon, ça va encore envenimer la situation. Ça a beaucoup de conséquences. À Montréal, on le voit aussi. Nous, il y a des familles qui n'ont pas accès, par exemple, aux garderies, aux garderies à faible coût, là, et donc ils sont obligés de payer des garderies, je crois, 30, 40 dollars, travailler juste pour ça. Donc, et après, s'il y a des interventions parce que les enfants ont des défis particuliers ou alors bon, pour X raisons, ça rajoute un stress et ça les met à risque de. Moi, j'appelle ça le burn-out parental. Moi, je pense que nos familles sont vraiment, vraiment à risque de burn-out parental dû à tous ces facteurs de stress qu'elles rencontrent tout au long de leur parcours. Surtout si elles n'ont pas de statut administratif, comme dit Fenda. Et ça, c'est un enjeu très, très... L'accessibilité des services en plus... C'est un enjeu très important. Dans ce cas, c'est quoi, dans le plan d'intervention, qu'est-ce qui devient prioritaire? Est-ce que c'est l'obtention de ce statut ou finalement, on continue de rester focus uniquement sur l'enfant? Parce que de toutes les façons, l'enfant subit à la fin. Mais moi, je dirais que je mettrais le focus sur la régularisation administrative. OK. Ouais. La régularisation administrative, pourquoi la régularisation administrative? Parce que ça ouvre l'accès aux droits dans tous les champs. Je parle notamment des mamans du 115. C'est beaucoup mon moteur, ces femmes, parce qu'elles sont en grande souffrance. Excusez-moi. Non, c'est correct. Les mamans de quoi? Du 115? Les mamans du 115, ici en France, on a les mamans qui connaissent le parcours d'urgence, l'hébergement successif d'hôtel en hôtel, d'hôtel en hôtel. Oui. Bonjour, allez chez avec nous, ils veulent nous voir. Attendez, je vais... Faut sauver l'alarme. Oh là là. Bonjour, comment tu t'appelles? Déma.
Excusez-moi, je coupe le son. C'est correct. Ça, c'est la réalité. C'est le vrai. Ouais. Mais pour moi, dans ma pratique, on focus sur l'enfant. OK. Puisque ce n'est pas de notre mandat de s'occuper de la régularisation qui peut prendre énormément de temps. Et en attendant, c'est ça le défi, c'est que les parents doivent continuer à répondre aux besoins de leurs enfants. Et la question, c'est comment répondre aux besoins des enfants quand on est dans une situation aussi vulnérable qu'on n'a pas forcément accès aux garderies. Comme là, maintenant, on vient de se rendre compte que tous les enfants auront droit à l'assurance maladie, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, un enfant qui n'a pas le droit à l'assurance maladie et qui est malade, comment le parent va faire? Ce sont des enjeux éthiques, parce que l'enfant a des besoins, il doit avoir une personne responsable qui assume cette parentalité. Mais on a des parents, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce que la situation les met temporairement en difficulté. Mais cette temporalité, elle est pour combien de temps? Et on ne le sait pas. Alors, est-ce qu'on va laisser un enfant dans cette situation 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans? Il grandit. C'est très, très complexe. Très complexe. OK, Myriam disait qu'elle, ils mettent l'accent sur l'enfant. Et toi, Fanda, tu disais sur... Toi, ton mandat te permet d'aller au niveau de l'administratif, de toucher à l'administratif? Clairement, oui. Et je me permets. Okay. Clairement, je travaille le partenariat en gros avec les administrations, la préfecture, le service d'immigration, la direction de la cohésion sociale aussi pour le relogement, même si ce n'est qu'un relogement temporaire. Du coup, je fais des rapports sociaux pour faire des demandes d'intervention à titre humanitaire pour les régulariser parfois. Wow. Est-ce que ça prend du temps? Ça peut prendre des années. Et, ah oui, ouais, ça peut prendre des années, mais quand il y a un bon suivi, ça porte ses fruits. Okay, on arrive à obtenir, même si ce n'est que précaire, mais si ça l'autorise à travailler, ça lui ouvre des portes déjà. OK. Mais est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans une situation où tu as dû faire placer un enfant parce que la situation était trop précaire pour que l'enfant puisse rester avec ses parents? Oui, c'est arrivé. Après, je ne l'ai pas fait, c'est pas de... Ta décision à toi, ouais. Là, j'y ai adhéré quand même. Et comment tu fais pour que le parent puisse aussi adhérer à ce projet pour l'enfant? Ben, on lui dit que c'est temporaire. Et je crois qu'au bout d'un moment, la maman, enfin, elle-même... OK. Voilà. Réaliste. Wow. Ça ne doit pas être très évident. Mais j'avais un point intéressant quand même. Est-ce que ça arrive, on en a parlé avec Myriam tantôt, la place, j'aimerais revenir dessus, de la foi ou de la culture ou de la religion dans l'approche des intervenants. Comment ça se vit lorsque la famille est vraiment ancrée dans sa religion et que la religion ou les ordonnances de la religion viennent vraiment en contradiction avec la loi du pays? On utilisera ça comme outil pour... Oui. Je l'utiliserai comme outil. Je m'en saisis comme outil pour l'amener. C'est pareil. C'est là où encore on parle d'adaptabilité, peu importe la religion. Donc, il y a un travail de recherche de fait. Et on pose les deux. On lui montre... on le met face à la réalité en lui disant effectivement, il y a le poids de la religion. Mais sauf qu'il y a un enjeu là et qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et après, on peut revenir à la religion. OK. Et l'approche interculturelle nous permet de faire ça. Parce que justement, explorer le cadre de l'autre sans jugement nous permet de comprendre son monde, pas forcément adhérer à tout, mais de comprendre le monde, le cadre de référence du parent qui est en face de nous et de trouver des leviers pour faciliter la mobilisation, l'adhésion au plan d'intervention et le changement. Donc, si c'est la religion, il faut l'utiliser, nonobstant que nous, on soit croyant ou pas croyant. Si on est vraiment centré sur le bien-être de la famille, alors, si c'est un levier, on l'utilise.
Vraiment. Donc, je pense qu'en tant qu'intervenant, ça devrait faire partie de notre posture et de notre façon d'intervenir avec les familles. Il y a des familles locales du pays où nous sommes qui sont aussi croyantes et ne pas imposer notre propre vision du monde. Ok, ouais, c'est vrai, ça c'est un bon point. Oui, effectivement, du coup, ça, on ne peut pas toujours l'expliquer comme ça. Et si le parent est vraiment fermé, ben, on travaille le plan d'action. C'est ça aussi, hein, mettre un plan d'action tout le temps, pas figé, mais en adéquation avec la demande de l'intervenant, mais surtout le besoin de la famille aussi. C'est ça aussi, évaluer et apporter son expertise, tout en respectant les deux cadres. En respectant l'usager, en respectant aussi l'institution pour laquelle on travaille, c'est important. Tout à fait. C'est pas simple hein, de réajuster sans cesse son intervention. Non, c'est sûr. Mais le plus difficile, je pense, et en tout cas personnellement pour moi, dans ma pratique, c'est lorsqu'on arrive au bout de l'intervention, malgré tout ce qu'on a pu faire, mettre en place, et qu'on voit que on s'en va vers une voie sans issue. Ouais. Et, parce que bon, le parent est rigide, hein, et pour lui, il change pas. Et on voit l'intérêt, justement, on parlait de l'intégration des enfants, de ce processus. Et que bon, c'est ce qui prime. Donc, pour moi, personnellement, c'est quand on arrive à vraiment à ce stade en disant, la place de cet enfant est ailleurs. Mais bon, quand on a fait vraiment tout ce qu'on a pu, et on a vraiment été étape par étape, qu'on a accompagné aussi longtemps qu'on a pu, et qu'on voit que vraiment, il n'y a pas d'issue, tout en informant le parent de ce qui va se passer simultanément. Alors, quand cette décision arrive, il faut la prendre. Mais ça, c'est encore dans l'intérêt de l'enfant. Pour qu'il parce qu'il va vieillir, parce qu'il est dans son pays, il est là. C'est ici qu'il évolue. Et afin justement de trouver cet équilibre, sa place est peut-être mieux ailleurs. Ça, pour moi, ça, c'est la partie la plus difficile du travail. Mais qu'est-ce qui fait que les parents, dans la façon d'intervenir des intervenants, qu'est-ce qui fait que les parents se sentent abusés? Parce que je vous entends, mais j'ai l'impression que tout est toujours beau, vous faites tout ce qu'il y a à faire, vous prenez le temps, vous écoutez, mais en vrai, là, tous les parents ne vous aiment pas. Moi, personnellement, mon outil, c'est le réajustement de mon plan d'action. Après, je ne regarde plus les yeux des parents. Mais de toute façon, on trouvera un point d'accroche. À un moment donné, en réajustant l'intervention, on trouvera un point d'attente. Et sur ça, c'est sur ça que je travaille. Okay. Même si au début, c'est dur, c'est compliqué, qu'on n'y adhère pas, on y travaille. C'est un travail de longue haleine, bien évidemment. Oui. Mais ça, à un moment donné, on trouve un point d'accroche où on est en phase. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, tu n'as pas de délai, en fait. C'est-à-dire que... Ça dépend de la demande. Oui, je n'ai pas en général. Très souvent, comme je vous dis, j'ai des gens en situation de précarité, donc forcément, il n'y a pas de délai. Mm-hmm. Précarité administrative, il n'y a pas de délai. Je ne sais pas quand le préfet va régulariser. Donc, c'est vrai que moi, c'est des accompagnements. Ça peut prendre 1 an, 2 ans. Du coup, c'est bon pour les plans d'action. Dans les plans d'action, en fait, c'est vraiment d'évaluer pendant l'intervention, c'est des petits. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est exactement les plans d'action? Moi, mon plan d'action, c'est les solutions que je mets en place et le travail que je mets en place pour arriver à mes objectifs, en fait. Ce qu'on va mettre en place avec l'adhésion de la famille, c'est comme un contrat. Enfin, moi, je propose des solutions, des préconisations, des orientations. Il faut faire telle démarche, on va devoir passer par là. Vous prenez ça à charge en tant que famille, moi, je prends ça à charge. On va mettre le temps. Mais on va y arriver et on essaye de garder espoir. Parfois, c'est très long. Je ne vous cache pas que c'est long. Hein. Mais là, est-ce que c'est le patient, la famille qui choisit les actions ou c'est Non. C'est avec mon évaluation. Mais après, j'essaie de tomber en accord aussi avec la demande ou le besoin que j'ai pu évaluer. Mais il paraît que quand la personne, les actions qu'on veut lui faire ne sont pas en accord avec ce qu'il veut faire, il y a comme la résistance. Est-ce que ça t'arrive de changer de... Est-ce que c'est voulu que ce soit de toi que ça vienne? Est-ce que ça fonctionne?
on bouge les lignes, on réajuste. Si ça ne convient pas, ben oui, c'est ça. Hein, mais c'est ça, c'est clairement, c'est ça. Clairement. Et c'est comme ça qu'on avance au niveau de l'expertise. Si les choses étaient plus claires en travail social, moi, personnellement, ça me convient d'accompagner les familles dans la durée parce que je ne veux pas prendre un mandat institutionnel avec... c'est pour ça aussi que j'ai intervenu en milieu associatif très, très longtemps parce que ce n'est pas le même mandat institutionnel que l'institution classique. Ok, ok. Oh. Et Myriam, toi, comment c'était quoi la question? Toi, non, c'était de dire... bon, je pense que Fenda a répondu. En tout cas, c'est vrai que oui, on ne nous aime pas, mais tu disais qu'on avait l'impression que tout était beau, tout était parfait. Mais je pense aussi que ça dépend de la personne. Okay? Moi, dans ma philosophie, quel que soit le parent que j'ai en face de moi, là, on ne parle pas des parents immigrants, quel que soit le parent, au-delà de ce que le parent ait pu faire, parce que bon, on a toutes sortes de profils de cas, je me dis, il faut dissocier l'acte de la personne, l'acte de l'humain. Ok, c'est un peu la philosophie de Gandhi. On appelle ça le satyagraha. Moi, je l'ai lu à un moment donné dans mes lectures, et c'est ce qui a permis à Gandhi d'avoir la libération de l'Inde sans tomber dans une guerre civile. Il est allé doucement et il n'a jamais accusé l'Angleterre, bon, d'une manière directe, de tout ce qu'il faisait en Inde. Et dans une relation, pour moi, quand j'ai un parent qui est fâché et qui exprime sa colère, je lui laisse l'espace pour le faire. Parce que je sais que ce n'est pas envers moi, personnellement. Je reconnais qu'il a le droit d'être vraiment désemparé et il exprime comme il peut. Donc, moi, je dis toujours, je mets mon bol et puis là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais après, nous allons travailler ensemble. Donc, je lui accorde ce temps-là. Et je vais au-delà du motif pour lequel je suis là. Parce que je pense sincèrement, et j'ai rarement vu des parents qui étaient mauvais, hein, dans le sens mauvais, mais c'est des gens, pour X raisons, sont arrivés à commettre des gestes. Et lorsqu'on arrive, je crois, à toucher cet aspect profond de l'être, on peut travailler. Le résultat, on ne le sait pas. Mais au niveau du lien, on l'a et on peut avancer. Et ça, quel que soit ce que le parent ait pu faire, tant qu'on n'associe pas vraiment en disant « Vous êtes un mauvais parent parce que vous avez commis ça. » Non. En tout cas, ça, c'est ma façon à moi de travailler. Tu parlais de la foi tout à l'heure, mais moi, je suis quelqu'un, je suis très spirituelle, tous mes collègues le savent. Hein. Puis au début, tout le monde trouvait ça bien bizarre, mais comment ça se fait? Mais je ne m'en cache pas, ça n'a rien à voir avec la religion, mais j'estime que chaque personne a le droit et possède en lui une petite lumière, et c'est à cette petite lumière que je m'adresse, au-delà de tout le schlimbit autour, là, et on peut avancer avec ça. Et même s'il y a un déplacement d'enfant, même s'il y a un abandon d'enfant, ça doit se faire dans la paix. Pour moi, c'est un point d'honneur. Et je respecte le parent qui prend cette décision parce que je l'accompagne dans cette décision-là. Donc, c'est rare. Ça m'est arrivé d'avoir des soucis. J'ai même eu un parent qui ne voulait pas de moi parce que j'étais noire. Je dis, mais c'est correct. Tout le monde disait, mais non, mais ça ne se fait pas, c'est de la discrimination. Non. C'est le droit du parent. Et il se défend comme il peut. Je sais que je suis confiante dans mon évaluation et tout. Le parent, il demande ça. Je sais que c'est une façon pour lui d'avoir un minimum de contrôle sur sa vie. Je l'accepte. Tout à fait. Donc voilà. Waouh. C'est vraiment fort ce que tu as dit, effectivement. Et Emmanuel qui dit bravo, Myriam, j'adore votre façon, oups là, votre façon de, excusez-moi, mon ordinateur m'embête un peu, de voir l'être en avant de vous, ciel, vous me faites couler des larmes. Je ne voulais pas, Emmanuel.
Wow, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment beau aussi le travail que vous faites auprès des familles. C'est génial. En tout cas, cette approche, elle est vraiment bien. C'est sûr que si on prend, comme ce que Fenda disait, et toi aussi, en fait, ce que j'aime de ce que Fenda dit, c'est de vraiment de toujours, comment je dis ça? De toujours, c'est comme une façon de se remettre en question. Okay, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Comment on s'ajuste? Comment on se réajuste? Et de vraiment prendre le temps de se re-questionner sur ce qu'on est en train de mettre en place. Mmh. Et puis, Myriam, ce que j'entends, c'est une personne. C'est quelqu'un, il y a une petite lumière, il faut la toucher. Puis, c'est normal. Hein. C'est sûr que moi, si je reçois un intervenant, je me braque, c'est sûr que il faut prendre en compte cette vulnérabilité dans laquelle je suis là. Et si l'intervenant en face est patient, c'est ce qui peut faire tomber justement cette barrière et me faire collaborer. Et puis, je comprends. Et est-ce que vous vouliez... On est vraiment arrivé à la fin, c'est vite arrivé, mon Dieu, c'était tellement... Ah, oui. Donc, si je te demandais, Fenda, qu'est-ce que, grosso modo, comment on peut conclure? Qu'est-ce qu'on dit à l'intervenant au niveau de l'approche interculturelle? Que parfois, on arrive à des limites, mais qu'il faut sans cesse innover, en tout cas. Innover en respectant aussi, encore une fois, cette demande ou non-demande, en tout cas, tout en respectant l'usager qu'on a en face, ça, c'est important. L'empathie est là, sinon on n'exercerait pas, j'imagine. Je pense qu'il faut toujours être objectif aussi, c'est important, la remise en question sans cesse de son intervention. Se dire que ça peut arriver, comme dit Margaret Cohen-Emery, qu'elle nous parle souvent de la méthode de l'incident critique. Parfois, on propose, on préconise des choses et on pense que c'est adapté à la demande ou aux besoins. Et justement, en mettant les actions en place, dans le plan d'action, on se dit, ben, finalement, cette préconisation ne répond pas à telle demande et ne répond pas à l'individu qu'on accompagne. Donc, sans cesse réajuster. Moi, j'insiste là-dessus parce que c'est ce qui me permet, en fait, d'avancer dans mon plan d'action à chaque fois que je le mets en place. Les collègues peuvent me préconiser ça ou moi-même, je peux dire, effectivement, j'ai évalué ça, je pense qu'on devrait apporter ça. Mais je me rends compte qu'au fil de l'accompagnement, ben, que ça ne correspond pas et qu'il faut passer à autre chose. Et ça, il faut aussi le dire à la famille, en discuter, dire effectivement, on avait convenu de mettre ça en place, mais ce n'est pas ce qui nous convient. Et être dans la discussion, l'échange, tout en respectant la personne qu'on accompagne. C'est important. C'est ce qui met du sens à l'intervention. Sinon, il y a rien. C'est une co-construction. Hein? Voilà, en co-construction. Oui, voilà. Oui, une co-construction. Super. Alors, on voit que de Montréal ou Paris, je ne sais pas où, dans quelle ville tu es, les défis sont semblables hein, et les outils aussi. Hein, donc, c'est très intéressant. Mm. Vraiment, merci beaucoup, Fenda. Oui, bah, vraiment. Merci. Merci à vous. Vraiment, merci. Merci. Je sais qu'il est quelle heure là-bas? Chez nous, là, il est... Je n'ai pas l'heure. 19h? Non, je n'ai pas l'heure, je ne vais pas me déconnecter. Il y a 19h, je pense. Oui, il est 19h, effectivement. OK, donc c'est l'heure de souper. Oui, parfait. En tout cas, merci. Merci Myriam aussi, c'est toujours un plaisir. Merci Rosita. Ah, de rien, de rien. Moi, je suis contente parce que ça s'arrête les lives. Oui. Je vous aime bien, mais... On finit avec Fenda, qui c'est vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié cet échange, vraiment. Vraiment, merci. Merci d'avoir accepté d'être là. Et merci à vous aussi, hein, pour chaque vendredi, vous êtes présents, vous êtes fidèles. C'est vraiment apprécié. Et n'hésitez pas à partager nos lives. On vous revient avec des sujets vraiment intéressants, des formules super intéressantes. On espère avoir encore Fenda pour un prochain sujet. Plus spécifique encore sur ce qu'elle fait. Et on est vraiment, tu as dit que tu étais honorée d'être là, nous sommes encore plus honorés. Vraiment. Bah, merci à vous, en tout cas. C'est ça. Donc, sur ce, je vous souhaite un super vendredi, un bon week-end. Profitez, sortez avec ta famille, avec des amis. Il fait beau, j'espère. Et on vous dit à la prochaine. Restez connectés sur MyLumen et vous aurez sûrement de nos nouvelles bientôt. Bye. Merci. Au revoir. Merci. Bye.